Ce qui s'est passé aujourd'hui, s'est passé devant tout le monde. C'est ça qu'on appelle UFDG. UFDG n'est pas un parti politique, mais plutôt UFDG est un parti, est une famille au moins. Oui, moi je crois à ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai connu UFDG. UFDG n'est pas un parti politique, mais plutôt c'est un parti, c'est une famille au fait. C'est une famille. Nous tous nous avons vu aujourd'hui, c'était le grand cérémonie de feu général Lassana Conté. On a vu ce qui s'est passé là-bas avec Elage Seludel Ndialo et sa première dame Radja Alimatou Deleng. Donc c'est clair. Tous ceux qui disent que oui, Seludel est un ethno, Seludel est ceci comme ça, Seludel est ceci comme ça, ou bien UFDG c'est un parti ethno, c'est parce qu'ils savent rien, ils connaissent rien. Seludel a montré devant tout le monde entier que oui, Seludel Ntalias, il est guinéen, il aime bien les guinéens, sans distinguer les ethnies, oui. Si Seludel il était haineux, si Seludel il était méchant, il n'allait pas se rendre aujourd'hui à Wawa. Mais aujourd'hui, Seludel il était à Wawa avec son épouse. Parce que son épouse, elle est soussou. Regarde Alimatou, elle est soussou. C'est pas moi qui a. Comment on dit ça? Qui pense que Radja Alimatou Deleng, elle est soussou. Non, aujourd'hui, ça a été clair. Les soussous ont éclairci devant tout le monde. Oui, Alimatou Deleng, c'est un soussou. Elle vient de Kindia. Donc, quelqu'un qui est né à Kindia, grandi à Kindia, comment vous pouvez l'appeler? Elle est peu? Non. Elle est soussou comme nous. Elle est soussou comme nous. Donc, aujourd'hui, Seludel Deleng, big up. Big up, c'est pourquoi moi je suis toujours là pour vous. Je ne le connais pas, je ne l'ai même pas, je n'ai même pas vu Seludel dans ma vie. Je n'ai jamais vu Seludel dans ma vie. Mais je reconnais son sagesse quand même. Dès que tu vois Seludel directement, tu vois quelqu'un qui est sage. Oui. Tu vois quelqu'un automatiquement qui est sage. Yeah. Aujourd'hui, nos parents soussous, ils ont parlé de la paix. Je dis, je vais appeler mes parents soussous. Vous avez parfaitement raison. Vous avez dit à Seludel aujourd'hui d'accepter la paix, d'accepter le truc, dialogue, tout. Je dis, alhamdoulilah, c'est vrai, ça fait mal. Mais comment est-ce possible que Seludel peut accepter l'appel, dialogue? Comment est-ce possible qu'il peut accepter? Un, il a été triché. Son pouvoir a été confisqué par le parti du pouvoir. Trois, ses militants ont emprisonné, violé, tué. Mais comment est-ce possible que Seludel peut laisser? Oui, c'est vrai qu'il peut laisser. Il peut laisser. Il peut pardonner, comme vous le dites, mais il faut que Alpha Condé sache que la Guinée, c'est pour les Guinéens. La Guinée, c'est pour nous tous. La Guinée, c'est pour nous tous. Wastafawa. Donc, il faut que la Guinée, celui n'est pas ethno. Il n'est pas ethno. Jamais de la vie, celui n'est ethno. Il n'est pas ethno. C'est Alpha Condé qui est venu instaurer dans la tête des Guinéens que oui, telle personne est peul, telle personne est soussou, telle personne est malinqué, telle personne est forestier. Sinon, avant, on vivait dans l'harmonie, l'amour, paix. On vivait comme ça en Guinée. Partagez-moi ce vidéo, ce direct-là, s'il vous plaît, la famille. Maximum de partage, s'il vous plaît. Parce que tout le temps, il y a des maudits blogueurs qui viennent montrer à les Guinéens que oui, UFDG est un parti politique. Mais UFDG, nous, on vous dit, je vous dis un secret aujourd'hui, la famille, s'il vous plaît, essayez de partager massivement.
Moi, je vais vous dévoiler un secret aujourd'hui, clairement. Vous savez ce qui fait mal à UFD, à les communicants de RPG Arc-en-Ciel. Les communicants de RPG Arc-en-Ciel, ils ne veulent pas voir les autres communautés venir soutenir UFDG, venir soutenir les peuples. C'est ça qui les fait mal. Est-ce que vous comprenez? Il veut pas voir nous les sous-sous. Soutien, c'est l'Oudelin. Il veut pas. C'est ça leur combat. C'est pourquoi ils cherchent toujours à nous diviser. C'est pourquoi ils cherchent toujours à créer la haine entre nous. Mais nous, on ne dit jamais. Parce que nous et les peuples, nous sommes nés dans un hôpital, au fait. On peut embarquer au hôpital que on nous foule une dernière bourre. Mario, il y a si d'une foule nous se soit embarqué au hôpital Kerenne. Foule nous malinqué embarqué au hôpital Kerenne. Foule nous se soit embarqué au hôpital Kerenne. Foule nous forcé embarqué au hôpital Kerenne. Mais comment est-ce possible que Alpha Condé son gouvernement peut mentionner dans la tête des Guinéens que oui telle personne est peu, telle personne est malinqué, telle personne est sous-sous. Honorable Ousmane Gawal, big up. On est avec vous, honorable Ousmane. Nous ne pourrons jamais vous oublier. Ne pensez pas que oui, on vous a oublié dans la prison. Non, jamais. Vous êtes là pour nous. On est là pour vous. Donc, c'est ça. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, au maximum de love. Vous allez m'excuser, la famille. Je vais essayer de répondre. Le gars. Mon frère, c'est un problème ça. Tu comprends, non? C'est un problème ça. Voilà, s'il n'y aura plus un souci ou bien premier ministre ou bien... C'est un problème ça. Toi et ta famille, c'est votre problème ça. C'est pas moi mon problème. Moi, mon problème, c'est ma communauté sous-sous de faire comprendre les sous-sous que les peuples ne sont pas nos ennemis. On est né avec les peuples, on est grandi avec les peuples. On est grandi avec les peuples. Aujourd'hui, c'est ça que c'est l'Oudel a montré à les sous-sous, a montré à tous les Guinéens que oui, il est là pour les Guinéens. Vous qui êtes là, est-ce que vous pouvez me dire que quelqu'un a vu une vidéo de feu général Lansana Conté à un cadre sous-sous, un cadre sous-sous? Non. Aucun cadre sous-sous, aucun cadre sous-sous n'a une photo ou bien un prospectus de feu général Lansana Conté chez lui, si ce n'est pas à part de Seloudel Ngallo, lui seul. Le jour que j'ai vu la photo de feu général Lansana Conté dans le salon de Seloudel Ngallo, c'est le jour là que moi j'ai commencé à soutenir la Seloudel Ngallo. C'est la vérité. Donc les Guinéens comprennent que la Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Ce n'est pas Alpha Condé incapable, un président incapable qui vient nous diviser aujourd'hui. Un président incapable qui vient instaurer dans la tête des Guinéens que telle personne est ceci, telle personne est peu. C'est faux. On est tous égaux en Guinée. On est tous égaux en Guinée. Vous voulez la paix en Guinée? Alpha Condé et son gouvernement, vous voulez la paix en Guinée. Et vous avez emprisonné les enfants des autres. Vous avez emprisonné les maris des autres. Vous avez emprisonné les frères des autres. Mais comment est-ce possible que vous pouvez appeler les Guinéens s'aimer, appeler la paix en Guinée? Vous êtes le premier responsable en Guinée. C'est vous, monsieur Alpha Condé. C'est vous le premier responsable en Guinée. Mais pourquoi vous détenez le honorable Ousmane Gawal? Qu'est-ce que Ousmane Gawal a fait? Ousmane Gawal n'a rien fait. Seulement son opinion, vous pouvez l'enfermer à cause de son opinion. Nous pensons que ce qui s'est passé en 1960, ça n'allait plus se répéter en Guinée. Mais aujourd'hui, c'est plus pur. C'est plus pur. Comment est-ce possible que vous pouvez emprisonner Ousmane Gawal? Et les autres,
Comment est-ce possible? Comment vous pouvez imaginer cela? Ousmane Gawali, il est guinéen comme vous. Monsieur le président Alpha Condé, vous n'êtes pas plus que Ousmane Gawala. Vous n'êtes pas plus que Ousmane Gawala en Guinée. Jamais de la vie. Vous n'êtes pas plus que Ousmane Gawala en Guinée. Vous avez le même droit en Guinée. Même droit en Guinée. Mais c'est pourquoi je m'adresse toujours à la jeunesse inconsciente. Parce que la Guinée, la jeunesse guinéenne, 90%, ce qu'on n'a pas dénoncé ici. Il n'y en a pas ce qu'on n'a pas dénoncé ici. Mais c'est que la population guinéenne, 90%, 80% ou bien 90% sont des alphabètes. C'est ça qui joue sur nous aujourd'hui. C'est ça qui joue sur nous aujourd'hui. Quand les autres font la grève de changement, les autres s'assoient, les autres disaient que oui, c'est les peuples. Et pourtant, le changement, c'est pour tous les Guinéens. Le changement, c'est pour tous les Guinéens. Mais comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en 21e siècle, Alpha Condé et son gouvernement peuvent emprisonner nos frères guinéens? Ils ne se sont pas des peuls, ils ne se sont pas des malinqués. Parce qu'un vrai malinqué, c'est reconnaître la Guinée est une famille. Comme Madik Sans Frontières a fait, comme Ismaël Condé a fait, comme Souleymane Condé a fait, comme le gars, comment il s'appelle, Kikourouma ou bien quoi, Konaté, je ne sais pas. Nous, on n'est pas contre les malinqués parce qu'on a des grandes, on a des grandes sœurs malinquées. On passe toute la nuit et jour, fait que de s'appeler, ouais, on a dit, Abar dit, monsieur. Donc, la grande est Namounine, rien à Maninkera. Grand Namounine, rien à Maninkera, mais ils sont conscients. Ils sont conscients. Donc, vous, les maudits blogueurs d'Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel. Ouais, RPG Arc-en-Ciel, que l'on me dit. Vous faites semblant que, comme tout va bien en Guinée, rien ne va. Ça galère. Même vous les blogueurs, vous les maudits blogueurs, vous souffrez là-bas. Vous souffrez. Même vos parents souffrent. Vos mamans, qu'est-ce que vos parents font en Guinée? Ils font rien. Vous qui soutenez Alpha Condé là, qu'est-ce que vos parents font en Guinée? On gagne au babé, monsieur Abafi. Fais ce que ma quitte, c'est remati. Fais ce que ma quitte, c'est remati. Au babé, monsieur Abafi. Au babé, d'or et moualifé. Au moment Alpha Condé soutenu, boule qui. Mais Gaba Gara, deuxième mandat, la mara bougé, comme il a fait forcing là, il va assumer. Même les militaires, les policiers, même, ils souffrent. Regarde le cas de Roger Bamba, que son âme repose en paix. L'autre est hospitalisé. Les policiers guinéens demandent encore l'argent à sa femme. Il fallait que sa femme donne 20 000 francs guinéens à la police guinéenne. Mais quelle honte ça! Quelle honte! C'est après. Vous voulez nous faire croire que oui, UFDG est un parti des peuples, UFDG est un parti politique, UFDG est comme ça, est ceci, comme ça, est ceci. Arrêtez les gars! Arrêtez vos actes sataniques! Arrêtez vos actes sataniques! UFDG est une famille. UFDG c'est pour nous tous. C'est pour nous tous! Mais il faut que certains malinqués comprennent que oui, la Guinée c'est pour nous tous. UFDG, RPG, ça fait combien d'années depuis en 93? Haute Guinée, il fait que voter pour Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé, il a même dépassé 18%. Il n'a pas dépassé 18%. Mais quand vous voyez que oui, en 2010, Alpha Condé est devenu le président de la République, c'est que c'est toute la Guinée qui ont voté pour lui. Donc Alpha Condé, c'est pour tous les Guinéens.
C'est pas seulement pour les malinqués, mais aujourd'hui, les maudits blogueurs, les facochères, les femmes pharaons blogueurs, ils viennent, disent que oui, monsieur le président, il faut nommer telle personne, 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 comme ce qui veut se passer au Maroc. Le consul de Maroc, je ne sais pas qui bat, monsieur bat. Regardez comment les maudits blogueurs, les fanfarons blogueurs, les facochères blogueurs, ils veulent enlever le monsieur à sa place. Ils veulent enlever le monsieur à sa place parce que tout simplement il est peul. Mais pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et on est méchant et on prie dans la même mosquée. Mais comment Dieu, Allah Djawadjal, peut répondre à nos prières? Comment Allah Djawadjal peut répondre à nos prières, peut exaucer nos prières, nos doigts? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, les gars. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On prie dans la même mosquée, et on dit que non, telle personne est peul, telle personne est soussou, telle personne est malinqué, telle personne est forestier. Et pourtant, on prie dans la même mosquée. Est-ce qu'en Guinée, il y a des mosquées que les malinqués disent que non, vous êtes soussou, vous ne pouvez pas prier ici. Non, vous êtes peul, vous ne pouvez pas prier ici. Non, vous êtes forestier, vous êtes pas, vous pouvez pas prier ici. Ça n'existe pas. Lors de la prière, on prie dans la même mosquée. Dès que l'imam dit que Safa, on fait le même rangé, le même rang ensemble, on prie ensemble, on fait tout ensemble dans la mosquée. Mais pourquoi après la mosquée, on est divisé? Pourquoi après la mosquée, on dit telle personne est peul, telle personne est malinqué? Si réellement les malinqués, vous avez la même douleur que nous, c'est revendiquer, c'est exiger la libération de nos frères qui sont à la maison centrale. Nous, on ne fait pas de plaidoirie, jamais. On ne va jamais demander à Alpha Condé pardon. Parce que les détenus politiques, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ce ne sont pas des criminels. On doit imposer leur libération. C'est ça qu'on appelle la Guinée. Et la famille. Mais on a une jeunesse vendue. Une jeunesse qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi moi je me suis toujours dit, moi je ne suis pas prêt pour mourir pour cette génération-là. Parce que c'est une génération vendue. Une génération qui ne connaît même pas ce qu'il veut. Il fait semblant de danser devant toi. Quand tu tournes ton dos seulement, ce qu'il dit sur ton dos, Nanansar Naki. Otamunomo Oyar Bide. On nous sambula naba. On birin torori. Les Guinéens disent Birin Torori. Narebi Infamane qui voit Alpha Condé Menga, Alpha Condé Menga, Ratine. Et Birin Torori. Faire à Guinée, c'est que nous sommes Mati, Avaria, Madina Kui. Et Tangundi Walimeyi. Ils n'ont pas de boulot. Donc, si réellement la Guinée est une famille, que tu sois malinqué, que tu sois peul, que tu sois soussou, que tu sois forestier, donnons-nous la main comme ça. On va exiger la libération de nos frères. Comme l'autre fois, c'est que le petit frère de Madik Sans Frontières, qui s'appelle Kader Yomba. Kader Yomba, il est venu sur l'étoile. Montrer à la population guinéenne que oui, Malik, il va bien. Il va hyper bien. Convaincre les Guinéens que oui, Malik, tout va bien chez lui. Et pourtant, c'est faux. La prison est égale à la prison. Kader Yomba voulait montrer à les Guinéens que oui, dès que Malik a eu le problème, UFDG a abandonné Madi. C'est ça qu'il voulait montrer à les Guinéens que oui, tu supportes UFDG une fois. Tu es à faire avec le gouvernement directement, il te lâche. C'est faux. Moi, je ne connais pas UFDG.
Je connais aucun membre de l'UFDG. Je connais même pas le président de l'UFDG. Là, c'est Ludel Ndiallo. Mais le sagesse, l'amour qu'il a montré, qu'il m'a montré pour les Guinéens, c'est à cause de cet amour, sagesse que j'ai aimé, c'est Ludel Ndiallo. Sinon, personne ne peut témoigner dans le bureau de ce Ludel Ndiallo. Oui, on connaît le petit là. On a donné quelque chose à le petit là. Moi, je ne suis pas un communicant pour UFDG. Jamais. Mais je fais à ma propre volonté. Parce que nous sommes tous des Guinéens. Nous, on ne défend pas nos intérêts personnels. Nos intérêts personnels, nos forces, ça vient de Dieu. Allah Ojawajal. Ce qu'il va nous donner, c'est ça on va se contenter. Mais nous, on ne fait pas des escroqueries pour nourrir nos pockets. Never. Never. Donc, la famille, il faut que on offre la dunia bé. On offre la dunia bé que, ouais, notre frère Ousmane Gawa, tant d'autres, les prisonniers politiques, Alpha Condé doit... Ça fait arrêter d'insulter l'intelligence des Guinéens. Vous, les Guinéens, arrêtez d'insulter l'intelligence des Guinéens, s'il vous plaît. Si vous voulez la paix en Guinée, si vous voulez la paix, il faut que Alpha Condé, ce qu'il dise, que ça soit réel. Parce que c'est un président qui ne respecte pas sa parole. Tout le monde est au courant de ça. C'est un président qui ne respecte pas sa parole, qui n'est pas l'homme de parole. Notre président, il n'est pas l'homme de parole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le président dit qu'il va gouverner autrement. Gouverner autrement, les maris des autres sont en prison. Gouverner autrement, les enfants des autres sont en prison. Gouverner autrement, les frères, les cousins des autres sont en prison. Quand tu parles et les gens viennent t'insulter, il faut nous insulter, nous. Oui, mais nous, on est là pour défendre la vérité. Si vous voulez la paix en Guinée, l'harmonie en Guinée, il faut que vous, les Guinéens, vous dites à Alpha Condé de libérer les prisonniers politiques. S'il a fait forcing jusqu'à aujourd'hui, là, il a fait forcing jusqu'à aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui est arrivé, il faut que les Guinéens se mobilisent d'imposer, exiger la libération de nos frères. Parce que ce n'est pas seulement les peuls qui sont là-bas. Il y a des malinqués qui sont là-bas, il y a des peuls qui sont là-bas, il y a des soussous qui sont là-bas, il y a des forociers qui sont là-bas. Oui, il faut que nous, les Guinéens, on impose leur libération. C'est ça qu'il s'agit maintenant. On n'a rien à foutre avec sa politique bomboclot. On n'a rien à foutre avec sa politique madafaka. We don't free for anyone. Yeah. We free only. We don't free, you know. Me, I free only for my God. God is one. Yeah, I don't pray for anyone. I pray only for my God. Yeah. Yeah, because myself, I respect everyone. I respect everyone. If you respect me, you don't respect me, you say, fuck you. Fuck you, mother. Fuck you, father. You know what I mean? Yeah, man. Donc, nous, on n'est pas des peuls, on n'est pas des soussous, on n'est pas des malinqués, on est là pour les Guinéens. Si le gouvernement fait du bien, on va dire que oui, le gouvernement a fait comme ça, le gouvernement a fait comme ça. Mais pour le moment, il faut qu'on exige notre libération, la libération de nos frères. Et qu'on va dire à les maudits, les femmes forums blogueurs, de laisser M. Ba au Maroc là-bas tranquille. Et je vous dis, je vous garantis les Guinéens, le jour que Alpha Condé va sortir le décret, soi-disant que M. Ba, le consul de Maroc, le consul guinéen au Maroc,
il est limogé. Le jour là, nous tous, tous les Guinéens, vous allez voir nos colères. On va s'exprimer notre colère parce qu'ils ne peuvent pas limoger quelqu'un parce qu'il est peu. Ça, jamais. Si M. Ba ne travaille pas, s'il ne travaille pas au Maroc, les Guinéens au Maroc n'ont qu'à témoigner. Nous tous, on va soutenir la révolution puisque M. Ba rentre directement, tranquillement en Guinée. Mais si M. Ba est en train de faire quelque chose pour les Guinéens et que les bâtards blogueurs, les maudits blogueurs, les fanfarons blogueurs va dire à M. le Président, non, il faut enlever telle personne, il est peul, il faut enlever telle personne, il est soussou, il faut enlever telle personne, il est forestier, fuck you, les blogueurs de RPG Arc-en-Ciel, fuck you again, we are motherfucker shit bitch. Il faut que vous respectez les gens. Il faut que vous respectez les personnalités. Il faut que vous respectez vous les blogueurs, vous les communicants de RPG. C'est pas vous qui avez nommé Alpha Condé. C'est les Guinéens qui ont voté pour Alpha Condé. Donc si vous voulez gueuler là, si vous voulez gueuler, il faut dire à votre président de libérer les prisonniers politiques. C'est ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas discuter quelque chose ici de la paix sans que nos frères ne soient pas libres. Il faut la liberté de nos frères d'abord. Il faut la liberté de nos frères. Mais vous êtes là à raconter de n'importe quoi, bombe clot. On a demandé ma garde. Nde. On dit blogueur, nde. On demande ma garde, ma légendaire. Et 36 bar me rendre à on est dans ma garouma. Voilà. Mais mon tamou ma garouma de parce que mon beurre Nyas din nankui. Nyas din dina na mon capital Kaloum Poe. Mon beurre men donc atanenya. Mon ya bor na bila mon bo. Mais yo mon nom mon ma garoudi. Honorable Ousmane Gawal. A comprendre et rafé na mon boyama. Mon mon ne mourima. Mon barbeau Rena Nera, mon nom est l'oude Alpha Condé Ira. C'est ce n'y soto geli kui. Alpha Condé le Guinée ra colère tout mané. Ara gouvernement le Guinée ra colère tout mané. Donc la famille de Ousmane Gawal, la famille des autres, Madik Sans Frontières, Ousmane, Ismaël Condé, comment il s'appelle, Suleiman Condé. Voilà, Maninke Mouna, Sosio Mouna, Foule Mouna, nous sommes tous des frères. Donc c'est ce Roger Rakaba Dengi, les Guinéens et Moussa Seraba. Roger Bamba Rakaba Yorumobe, Oba Fa, Woule sa mere touli, ouais, soit disait Ikinu. Madik Panin, hôpital. Est-ce que Madik Noma Kedi signé de 5 fois Moukedi Naram Kolong? Madik Mounoma Kedi signé de Moukedi Naram Kolong. Donc Madik Eba Fa Kedi, Madik Rakedi signé. Alkoura a traitement naba Madik Nara Mounoma Kedi signé de a faut que ra avocat ou bien a paré à famille Mérine de Rafa témoignage rabané yaro. Mais il a raison, vous les maudits blogueurs, vous venez dire à l'étoile que oui, à Madik il veut pas se soigner, il a refusé de se soigner. Mais comment est-ce possible que Madik Sans Frontières peut refuser de sa santé? Parce que c'est pas quelque chose qui est garanti. Parce que même dans l'hôpital là-bas, il peut injecter directement. Il fera na talias. Nareba min aventuré colon. Nareba min aventuré colon. Et non, m'a empoisonné de même rapicou. Et c'est rapicou roma. Et piquou n'a rien à tout sommeil. Comme autant les guinéens qui ont ma colon. Mais il fera fait, c'est un ramaradi. Midi, même pas midi, 14h. Injection, une injection n'a rien à soi ma fatina qui. Yes, an injection ou ma cansan. Atomana kanyi fouiti fayara. Atomana kanyi yeso renda pukuti renda. Atomana na gonfle fe. Donc nous qui sommes en étranger, nous na colon déjà. Donc bon boklat fatu, mouna ma kedi signé de sa que mokedi n'a rien à inconvénient colon. Donc au Madik Sans Frontières, nous n'a rien à malabou en paix. Moura courage na forora, mon boy na forora. Tel que honorable Ousmane Gawal, respecte mon frère. Tu es un combattant, tu es un homme. Oui, Kramene Nera, Foule Mira, Legine Kane Nera, Foule Femouya, Legine Kane Nera,
C'est le Baldé, les Guinéens Kanira, tu n'es pas un peuple, tu es Guinéen comme nous. Honorable Ousmane, Rastafari, ma bénédiction, à nous, mon mamé, ma bénédiction, à nous, mon bébé, ma bénédiction, à nous, mon babé, nous, mon gué, ma bénédiction, sur ce forêt, nous, baga forêt, ma bénédiction, à l'effort, à ce semi-tour, ma gueule, et mine, ma nera, foulongue, santé, à nebe, et gadarari. Il y a famille, mes filles. Quand il y a famille, me compte, Philippe. À la femme, à